cette frange, j'y vois plus rien. Hey, salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Et cette fois-ci, c'est un haul de Perrin & Co et Cultura. Deux pour le prix d'un. Ouais. Alors, je fais juste une petite intro vite fait et après je te montre tout ce que j'ai acheté dans ces deux magasins-là. Et puis bah, voilà. Il faut savoir que Perrin & Co, ça fait un an pile poil que j'ai pas commandé chez eux. Ça fait un an. J'ai fait le tour de l'année. C'est ouais, c'est. Bah en fait c'est un petit peu cher hein, l'air de rien Perrin & Co. C'est mieux quand il y a les promos. Mais vu que je suis jamais au courant des promos, et bah je sais pas, ça me passe sous le nez. Mais du coup, bah là, vu que j'avais un petit peu d'argent de côté, bah, je me suis dit, bon allez, on va se faire plaisir, puis on va commander sur Perrin & Co. Voilà. Du coup, j'ai une petite boîte. Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, à te montrer. Une fois marée, leurs petites étoiles roses. Rose. C'est cliché rose, parce que c'est du loisir créatif, il y a que des filles. Non, je suis pas d'accord, moi. Il y a aussi des bonhommes. Alors, il va falloir changer cette couleur. Moi, je dis ça parce que j'aime pas le rose. Bon, je rigole. C'est bon, c'est pas grave, c'est juste une couleur. On s'en fout. Bon, bref, laisse tomber. Non, mais imagine, il y a des bonhommes aussi qui font du loisir créatif. Et ça se trouve, ils se sont dit la même chose que moi. Hein. C'est parce que j'aime vraiment pas du tout le rose. Bon bref, laisse tomber. Et du coup, j'ai aussi quelques petits trucs chez Cultura. Ils m'ont mis un mini sac avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je te jure, j'ai galéré à tout mettre dedans. Mais bah, c'est pas grave. En fait, Cultura, j'ai reçu à Noël, donc ça remonte quand même maintenant. J'ai reçu une jolie carte cadeau. En cadeau. Et j'ai pu me faire plaisir. Alors pareil, j'attendais d'avoir des bonnes promos sur la Fimo. Mais à chaque fois, bah, ça me passait sous le nez. Donc bon, bah tant pis, on va l'utiliser quand même, cette carte. Voilà, donc du coup, ça c'est que du gratuit, c'est grâce à une carte cadeau. En plus, je suis contente. Non, j'ai dépensé 3 euros. J'ai dû mettre un petit peu au bout. C'est pas bien. Bon, bref, vas-y, je laisse tomber et on passe tout de suite au dépouillement. Pour ça, je vais aller sur mon bureau parce que ça sera plus pratique, comme ça j'aurai juste à ranger, aussitôt fait, aussitôt rangé. Voilà, je déteste le. Il y a un dicton qui dit, je sais plus comment ils disent. Que quand t'es créatif, tu dois être forcément bordélique. Moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ça. Oh, je déteste le bordel. Putain, j'ai. Oh, ça m'énerve. J'ai horreur de ça. Je peux pas. Moi, faut toujours tout soit rangé nickel. Au millimètre près, quasiment. Je suis un petit peu maniaque sur les bords. Bon, j'en ai perdu parce que je vis avec trois cochons. Mais je suis toujours un petit peu. Enfin, allez, vas-y, laisse tomber. Faut que j'arrête de parler pour rien dire. Allez, on passe tout de suite à la suite. Donc voilà, c'est parti. On va commencer. Avec le colis de Perrin & Co. Alors j'ai passé commande le dimanche et j'ai reçu ma commande le samedi, quasiment une semaine après. Mais bon, ça n'est pas grave. Et toi, en plus de ça, tu verras cette vidéo-là que dans 2 semaines, parce que j'ai d'autres vidéos qui sont programmées que je peux pas supprimer pour mettre celle-ci avant les autres. Donc voilà, chaque chose en son temps. C'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, comme j'aime si bien le dire. Bon allez, c'est parti. On ouvre. C'est mignon leur petit scotch craft, hein, mais... Bon, le temps que j'ouvre, on se retrouve juste après, hein. C'est bon, c'est ouvert. On est parti. Allez. Oh, du rose, encore du rose. Ils volent ma mort. Bon, c'est rien. C'est juste du papier de soie, c'est pas grave. C'est mignon. C'est mes filles qui vont être contentes. Donc c'est toujours super bien emballé, c'est ça qui est génial. Voilà. Et donc, genre voilà. Pour 57 euros, dont 1,08€ de frais de port. Ah ouais? J'avais même pas fait attention à ça. 1 euro pour un... Ah bon? Bon, pourquoi pas. Bon bref, du coup, voilà, j'en ai eu pour presque 60 euros. Du coup, j'ai eu le droit à 3 cadeaux. Et moi, à chaque fois chez Perrin & Co, eh bien, j'aime bien choisir les cadeaux surprises. Alors, tout le monde se plaint des cadeaux surprises. À chaque fois, c'est pourri, c'est nul, gna gna gna. Mais de quoi vous vous plaignez? Vous avez des cadeaux gratuits, merde! Oh, c'est hallucinant, ça. Moi, ça m'énerve. Les gens qui se plaignent parce qu'ils ont reçu des cadeaux. Ça, je supporte pas. Enfin, bref. On s'en fiche. Donc je vais commencer par... Ah, ah c'est génial. Pardon, excusez-moi. Les cadeaux, c'est encore du rose. Je suis maudite avec le rose. J'ai le droit... Mais non, mais je vais m'en servir quand même, hein. C'est mignon. Mais je sais pas s'il regarde les vidéos Perrin & Co, mais si la prochaine fois je commande... Enfin non, mais non, ça se fait pas dire ces choses-là. En plus, ils en ont rien à foutre. Mais j'aime pas le rose, moi. Bon bref, du coup... j'ai le droit à un petit collier sur... je sais même pas. C'est quoi comme matière? Oui, c'est un collier. Hein. Oui, un petit fermoir en dessous de l'étiquette. Des colliers rigides, comme ça.
C'est du fil... Non, ouais, du fil de fer, non? Je sais pas. Bref, on s'en fiche. Un petit colis comme ça. J'ai aussi le droit à des perles de rocaille roses. Alors déjà, j'aime pas les perles de rocaille, puis j'aime pas le rose. Mais c'est pas grave. Mais ça va me servir quand même, y a pas de souci. Hein. C'est mignon. Je suis contente quand même. Et l'autre cadeau, il est là. Ah! Ah, ça c'est mieux ça. Non, je me plains pas des cadeaux que j'ai reçus. C'est juste la couleur que j'aime pas. Mais c'est pas, je vais pouvoir m'en servir quand même. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, j'ai le droit à deux petites perles bleues. Je crois qu'ils appellent pas ça des perles. Comment je sais plus. Enfin bref, c'est tout mignon. C'est joli ça. Ça, je suis contente. Enfin, je suis contente des cadeaux en général. Hein. C'est juste la couleur que j'aime pas. Et je vais pas chipoter. Et bah, du coup, je déballe parce que le carton, il prend de la place. J'ai pas beaucoup de recul sur mon bureau parce qu'il est tout petit. Donc je fais comme je peux. Je prends la facture, comme ça je peux vous dire les prix en même temps. Alors pour commencer, c'est la première fois que j'en achète de la part d'eau. Je voulais absolument de la transparente, mais il y en avait plus. Donc du coup j'ai pris de la transparente, mais couleur aqua. Oui, c'est ce que j'allais dire, du bleu. C'est du transparent, mais vert, couleur aqua. J'ai encore jamais testé celle-ci, donc on verra bien. Et donc la part d'eau est à 2,50€ chez Perle & Co. A tester, on verra bien, parce que moi je fonctionne qu'avec Fimo, les autres marques je les aime pas du tout. Chacun son truc, hein. Et en parlant de Fimo, eh bien j'ai repris les deux gros pains classiques, parce que ceux-là ils partent à une vitesse horrible. Donc le noir et le blanc, en version 300... Ah non, 454... Ah mais attends, 454 grammes, voilà. Et donc chaque pain était à 12,50€. Quand je suis allée chez Cultura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire mes achats, chez Cultura, c'est encore plus cher, je crois qu'ils sont à plus de 13€. Donc là, bah, du coup, j'ai été prise chez Perle & Co. Je sais pas si tout rentre dans le cadre, parce que j'ai aucun recul ici, c'est trop petit, j'ai hâte d'avoir mon propre bureau, parce que là, c'est horrible. Bref, on s'en fiche. Ensuite, j'ai pris un sunscreen. Sur le thème du Mexique, celle-ci je ne l'avais pas encore. Et donc le petit pochoir était à 3,16€. Je crois que là par contre chez Cultura ils sont moins chers, il me semble. C'est pas grave, on s'en fiche. Cultura de toute façon... J'ai aussi repris une petite plaque de texture parce que bah, j'en ai que 4 comme celle-ci. Et à chaque fois je me sers des mêmes. Bah forcément j'en ai que 4. Donc du coup j'en voulais une nouvelle. Et celle-là, c'est quoi? Under the Sea. C'est sur le thème de la mer. Et la plaque de texture de la marque EFCO était à 7,40€. Elle est toute jolie. Voilà, voilà. Et on finit avec ça. Voilà, j'ai refait mon plein d'encre pignata et de perlex. Parce que c'est pareil, là, ça faisait une éternité que j'en avais pas des nouveaux. Et puis bah, j'avais envie de changer un peu de couleur. Par contre, si je peux me permettre de râler, il me semble que les dernières fois que j'ai passé commande, ça remonte à un an, mais on avait le droit à des petits pochons en organza. Les petits sachets en organza. Et là, j'en ai pas eu. Alors, c'est nul. Donc, du coup, j'en ai repris 3 de chaque. Donc, j'ai 3 encres pignata, la magenta, or foncé et vert forêt. Des couleurs que je n'avais pas du tout. Et les encres étaient à 3,20€. Et au niveau des perlex, eh bien, j'ai pris la couleur émeraude, citrine et bleu polar interférence bleu. J'avais le violet et le vert, mais j'avais pas encore le bleu. Et ben maintenant, c'est chaussé. Et les poudres de mica étaient à 3€ le petit pot. Voilà en ce qui concerne mes achats sur le site de Perle & Co. Alors, j'ai été méchante parce que je disais que je détestais la critique au niveau des cadeaux et c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment nul. Mais je suis quand même contente, hein. C'est juste que bah, moi, j'aime pas le rose, quoi. Mais c'est pas grave, parce que je pourrais quand même m'en servir, il n'y a pas de souci. Hein. C'est surtout mes filles qui vont être contentes. C'est un mal pour un bien. Un petit truc qui n'a rien à voir chez Cultura, j'avais trouvé ça chez Pickwick au moment des soldes. Alors par contre, je sais plus du tout le prix, parce que j'ai pas regardé le ticket de caisse. Mais bon, j'avais trouvé ça chez Pickwick au moment des soldes. C'est la seule chose qui m'intéressait. Le reste, si. De toute façon, les soldes, c'est pourri hein, maintenant. C'est plus ce que c'était. Enfin bref, du coup voilà, c'est petite apostrophe, j'ai trouvé ça chez Pickwick. C'est des tampons, il y a un lot de 3 petits tampons et un stencil, un petit pochoir, dans un style un peu baroque. Non, pas vraiment, des fleurs. Enfin bref, on s'en fiche. Et maintenant, je vais te montrer ce que j'ai acheté chez Cultura grâce à ma carte cadeau. Donc pour commencer, eh bien j'ai repris de la résine que j'ai déjà utilisée. Il n'y en a quasiment plus dedans, mais bon, c'est pas grave. Et la résine, par contre, là, elle était en promo. C'est la seule chose que j'ai trouvée en promo. C'est génial. Je l'ai payée 9,99€ au lieu de... Je crois que c'est 13€, il me semble, chez Cultura.
10 au lieu de 13, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai gagné 3 euros dessus, je suis contente. Voilà, donc là c'était la résine cristal de chez GDO PBO, c'est là, voilà. C'est la seule résine que j'utilise, les autres marques j'ai jamais testé et ça me dit pas du tout. Je suis contente de PBO et je resterai avec PBO, voilà. Ça sert à rien de m'initier aux autres, j'ai pas envie. Alors merde quoi. J'ai rien de vulgaire, attention. Ensuite j'ai repris de la fimo liquide parce que bah, je crois que j'en ai quasiment plus. Donc il était temps que je reprenne un petit tube. Et la fimo liquide chez Cultura est à 8,39€. Ensuite j'ai repris mon vernis de chez Fimo parce que celui-là je l'adore. J'ai jamais testé les autres pareil mais les autres me disent pas du tout. Je suis contente de celui-là alors je reste avec celui-là. Voilà. Donc là c'est le vernis brillant de chez Fimo qui était à 5,69€. Et pour le reste, ce ne sont que des pains de Fimo que je n'avais plus et des couleurs que je n'ai encore jamais testées. Donc je crois, si je dis pas de conneries, que j'en ai 16, il me semble. Et tous les pains de Fimo étaient à 1,99€. Alors ça, je suis un petit peu dégoûtée parce que avant, la Fimo chez Cultura, je la payais 1,79€. Elle a augmenté de 20 centimes et c'est énorme. Ouais, j'ai dit une connerie, j'en ai 20. J'ai 20 pains de Fimo. Donc j'en ai une en cuir, tu sais, les nouvelles en cuir. Franchement, ça m'intéressait pas du tout parce que ce que j'ai pu voir sur YouTube, les vidéos, les créations qu'on fait avec cette Fimo-là, ça m'intéresse pas du tout. Mais vu que je suis un petit peu curieuse, et bah, j'en ai pris un quand même. Donc j'ai pris la couleur Lagon en effet cuir. Mais franchement, ça m'intéresse. Et dans les nouvelles couleurs qui sont maintenant des anciennes, que j'avais jamais achetées jusqu'ici, si je dis pas de conneries, j'ai pris ces 4-là. Il me semble que c'est ces 4-là qui sont nouvelles. Enfin, plus maintenant, mais pour moi, oui, ça l'est toujours. Je crois que c'est ces 4-là. Donc il y a la couleur Merlot, Rose Antique, Bleu Calypso et Pourpre Royal. Je crois qu'il y en avait d'autres, hein, mais je les ai pas trouvées. J'ai trouvé que ces 4-là. Et ensuite, bah, c'est que des vieilles couleurs que j'avais plus, qui me manquaient. Voilà. Il faut savoir que moi, la Fimo, c'est... Bah, j'utilise que de la Fimo. Les autres marques, je les utilise pas. J'ai testé une fois ou deux, mais franchement, ça me convient pas du tout. Moi, je reste Fimo. Je suis fidèle à Fimo. Du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, j'ai repris les couleurs translucides parce que celles-ci, je les avais plus. Donc, il y a le vert, le jaune et le rouge. J'ai repris aussi le rose et le bleu quartz parce que je les aime beaucoup. Je sais que j'ai dit que j'aimais pas le rose, mais celui-ci, je le trouve très joli quand même. Ensuite, couleur basique, vanille. Du rouge indien, ouais, si je dis pas de conneries, c'est ça, rouge indien. Du violet, donc il y a la couleur lavande et prune. Du gris dauphin. Vert tropical. Et pour finir, deux bleus, donc il y a le bleu pacifique et la couleur menthe. C'est vraiment toutes les couleurs classiques. C'est celles que j'utilise le plus souvent. J'ai 20 nouveaux pains de Fimo. Quasiment gratuitement grâce à une carte cadeau. Ça, c'est génial. Ainsi que de la résine, du vernis et de la fimo liquide. Ça, c'est cool. Voilà, j'ai refait mon stock et je suis contente. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai fait le tour de mes derniers achats chez Perle & Co et Cultura. Et puis bah voilà. C'est un peu couillon de dire ce genre de choses là pour ce genre de vidéo, mais c'est pas grave, je le dis quand même parce que c'est mon rituel. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce que tu en as pensé. Voilà. Et puis bon, en attendant, eh bien, je vais te retrouver très très vite dans une prochaine vidéo et je te fais tout plein de gros poutous. Bye bye.